Welcome to the Magic Tom World. Bam, 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 bam. Hey, mais vous êtes là. Hey, hey. Allez, c'est parti. On va apprendre ensemble à faire un schtroumpf. Hey, hey. Pour ça, on aura besoin de 3 ballons Periwinkle 260 Colatex et de 2 White 260 Colatex. Mais bien entendu, je vous rappelle que tout ça, à chaque fois, tous ces petits détails sont rappelés dans la description de la vidéo. Hey, hey. Et avant tout, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas fait, à ma chaîne YouTube et aussi de liker cette vidéo et aussi de commenter si jamais vous avez même une difficulté technique ou même tout simplement si vous voulez me dire que ce que je fais, c'est génial. Allez, c'est parti, on commence. Le premier ballon, un Periwinkle, on le gonfle et on va faire boule de 4-5 doigts. Pinch twist, boule de 4-5 doigts, pinch twist, boule de 4-5 doigts, pinch twist, et on va tourner le nœud original, on va le tourner sur le troisième pinch twist, comme ça. Ensuite, on fait boule de 4-5 doigts, pinch twist. On fait boule de 4-5 doigts, on le tourne autour de notre deuxième pinch twist. Ensuite, on fait un coup de et on replie autour de notre troisième pinch twist, là où il y avait le nœud du départ. On casse. Voici notre première particule. Deuxième particule, on va reprendre un bleu. On gonfle le deuxième bleu. On va prendre le nœud ici qu'on va placer dans la bouche par l'un par derrière. Donc on a le nez ici qui est devant. On arrive par derrière et on met le nœud de notre deuxième ballon autour du nez. Comme cela. Ensuite, on attend 2 doigts après la fin de la bouche. Et on fait pinch twist. Et ça fait ça. On a la colonne vertébrale ici et la tête ici. On va reprendre un bleu. On le gonfle en laissant une pipette de 4 doigts. On fait des mains avec 4 boules. 1, 2, 3. Et la quatrième boule, on va la plier en l'intersection entre le 1 et le 2. Comme ça, première main. Hop. Attention, dépressurisation. Vous connaissez depuis. Ceux qui savent pas ce que c'est la dépressurisation, mettez en commentaire et je vous indiquerai comment on y accède. Attention, c'est parti, de l'autre côté, on met une main. Pareil, avec 4 boules et on va plier la quatrième à l'intersection de la première et de la deuxième. Et on verrouille. Le verrouillage, pareil, si vous connaissez pas, mettez en commentaire si vous connaissez pas et je vous guiderai jusqu'à la vidéo qui vous l'explique. Attention ici, hop, on va plier le bout du ballon. Ensuite, on le met en dessous du pinch twist à environ 10 doigts, comme ça, et on remonte vers le haut, en dessous du pinch twist, en faisant attention de ne pas pincer le pinch twist, voilà, de manière à ce qu'il puisse se mettre entre les bras comme une cervicale, comme cela. Et là, nous avons le début de notre tête, comme cela. On reprend un blanc, et on va le fixer en haut, là. En haut de ce pinch twist ici, on va faire une boule de 4 doigts, on plie, on tourne autour du nez, on refait une boule de 4 doigts, on replie au-dessus sur le pinch twist du haut de la tête. Là, on ne fait pas une casse, on garde le reste du ballon. On va plier jusqu'à le pinch twist de l'oreille droite. Puis on va passer directement à l'oreille gauche par derrière. Et ensuite, on plie jusqu'au pinch twist en haut, comme cela. Et là, on va faire un coude, comme ceci. Et on va rentrer le coude à l'intérieur, comme ça. Hop. Et on a le chapeau, on casse ici, on a le chapeau du schtroumpf. Waouh, génial! Alors, on peut plier un peu plus si on veut.
de manière à ce que le bonnet, voilà, il revienne un peu plus vers l'avant. Comme cela. On prend un blanc. Et là, on monte jusqu'à laisser une pipette de 4 doigts. Hop, je vous montre, démonstration, vraiment 4 doigts, bien vu. Et ensuite, boucle ronde. Donc attention, c'est une boucle, mais on laisse passer une petite boule qui va être dedans pour arrondir la boucle. Pinch twist. Dépressurisation. Boucle ronde. Pinch twist. Hop, on plie le milieu. On place en dessous de notre montage. Ensuite, on plie les genoux, un genou là et un genou là, donc avec le coude, comme ça. Et on casse contrôlé, on garde une petite boule, comme ça, qui va être la queue de notre schtroumpf. Et pour être sûr que les enfants n'enlèvent pas, on peut la verrouiller en faisant faire un tour de pouce, comme ça. Voilà. Parfois, au lieu de casser la queue aussi petite, je la tourne deux fois encore pour être sûr que son ventre soit bien gros comme un schtroumpf. Mais bon, là, il est un peu plus svelte. Mais bon, il est cool quand même. Hey, voilà, là, un petit coup de marqueur et il sera fini. Et là, le marqueur et le petit cri magique. Et là, il apparaît. Et on peut même faire pareil sur le deuxième. Wow, ça marche, c'est vraiment génial. Et notre schtroumpf est fait. C'est fabuleux. Vous avez été content de suivre cette vidéo. Moi, j'ai été super heureux de vous la faire. Et c'est pour ça qu'on se reverra bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous béco. Je vous dis à bientôt.